Salut à tous, on se retrouve sur BattleSera 525 et sur un thème, le thème RVGM il me semble. Alors, je vous rappelle que pour le télécharger c'est tout simple, vous cliquez sur Start, vous allez sur Mise à jour et Téléchargement, Thème. Vous avez tout plein de thèmes à télécharger et celui qu'on teste aujourd'hui c'est le RVGM de Darknior. Donc là moi il y a deux petites flèches puisque c'est au cas où pour le mettre à jour, le thème est mis à jour régulièrement. Vous cliquez, vous l'installez, après vous allez sur Paramètres de l'interface. Thème. Là vous aurez tous les thèmes que vous avez téléchargés, donc on met RVGM BT thème. Et voilà le thème par défaut, donc ça c'est le premier truc, je vous montrerai après les réglages. Regardez comme il est vraiment sympa. On a donc là les dernières parties, ici la 3DO. Si vous touchez à rien, les vidéos se lancent et vous aurez même un mode. Vous pourrez mettre le mode publicité et normalement vous aurez des spots publicitaires d'époque. Voilà pour chaque console. Mais là ils sont en train de travailler dessus, il y a un énorme travail à faire. Donc pour l'instant, il y a des vidéos qui se lancent aléatoirement. Alors 3DO, c'est Space Hulk, ça, non? On a un Professeur Layton. Qu'est-ce qu'elle m'a dit Darknior? Moi, je connais pas Professeur Layton. Amiga, alors Amiga, ouais, plusieurs personnes m'ont écrit. Pour l'instant, moi, j'ai mis que des jeux d'A1200. Il faudra que je regarde pour séparer les Amiga. CPC, c'est pas mal. Apple II, on a Bruce Lee. Atari 2006, 5200. Alors il y a bien sûr plus de thèmes que ce que je vous montre, mais moi, vous avez les thèmes uniquement là où j'ai mis des ROM. Le 7800, le 800. Puis je rappelle aussi que vous avez des ROM qui sont uniquement pour les versions PC ou éventuellement Android. Donc là vous voyez, on a Atomis Wave. Le C64 avec SOS Phantom. La ColecoVision. La Dreamcast. La Family Computer. La GameCube. La Game Gear, enfin Game Gear, moi j'ai toujours. Avec Castle of Illusion quand même. Voilà, j'adore ce petit jeu Mickey. Voilà, le screen, enfin la vidéo screen, c'est Desert Strike. Là, la Game Boy avec Link sur un fond noir et blanc. Bah forcément, oui, la Game Boy était noir et blanc. La Game Boy Advance. La Game Boy Color, la GX4000. Ça, c'est pour Motorhead Gay. Alors, screenshot, il n'y a pas de thème, voilà, RVGM. Puisque peu de gens font des screenshots, et d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'afficher le système, vous pouvez cliquer ici sur Start. Voilà, vous cliquez sur Paramètres de l'interface. Système affiché. Et vous pouvez décocher ce que vous voulez pas voir. Donc ici, hop, vous cliquez Screenshot, vous ne le verrez pas. Hop, ça se met à jour, c'est plus rapide hein, parce que c'est sur PC. Et voilà, là on n'a plus les screenshots, vous voyez. On se retrouve directement Game Boy Advance, Game Boy Color, G4000, un télévision, la Jaguar pour Yann, la Lynx, la MIME, on a la Master System avec Skid, la Mega Drive avec Sonic. Alors le MSX c'est pareil par défaut, peut-être que vous verrez rien, parce qu'il faut aller dans les options, paramètres de collection des jeux cette fois-ci, système groupé, et là en fait vous pouvez grouper les Amiga, grouper le MSX 1 et 2 en un seul. Et là, c'est les jeux Perboom, c'est Wolfenstein, tout ça. Donc, décochez-le. Comme ça, vous avez un dossier MSX et un dossier MSX 2 de plus. La N64. Naomi. La Neo Geo, c'est sympa, on a les différentes bornes. La Neo Geo CD, il y a les deux aussi. Voilà, deux des versions qui étaient sorties. Ici on a Rob le Robot, d'ailleurs j'ai toujours celui de Tanglong avec la NES. La Neo Geo Pocket Color. Le Video Pack G7000, la Choreographix. La manette, non, j'avais jamais vu moi. La PC Engine Duo. Voilà, les jeux amateurs et portables sont là. D'ailleurs j'avais des jeux moi. Ah bah oui, j'ai Doom dedans. Alors je vous montrerai après la présentation des jeux. La PS2, ça c'est la version PC. La PSP avec Assassin's Creed. La PS1. La Sega Saturn pour PC, encore une fois. La Super Nintendo. Alors ça aussi, je crois que c'est que les versions PC, il y a le MO5. Voilà, on ira voir tout à l'heure aussi. Et j'ai deux jeux en plus que Darknior m'a prêté. Enfin, m'a passé. Captain Blood et Eliminator. La Wii, toujours pour PC. Je suis moins fan du thème de la Wii, noir et rouge.
Après, il a fait les images. Pour le dire, vous pouvez classer les items à 2 joueurs, à 4 joueurs. Notez bien qu'en bas aussi, je pose attention, mais vous avez la description en français et vous avez le nombre de jeux qui apparaît toujours dans une petite case. Regardez, là, il y a 974 jeux disponibles. Là, on a Mario qui nous dit que j'ai 16 000 jeux sur mon PC. Mon bateau sera PC. Favori, j'en ai jamais mis. Jamais joué, il n'y a pas de thème, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Dernière partie, à quoi j'ai joué? Eliminator tout à l'heure, forcément. Voilà, ça, c'est quand j'ai fait la vidéo sur la mise à jour. Donc, on peut voir un peu avec quoi je joue. Outrun, ouais, qui était sympa. Ah, le port du Discord, il n'y avait pas scrappé. Alors, pour les gens qui ont des problèmes de scrap, c'est que souvent les serveurs de screen scrapper sont en radar, en fait. C'est pour ça. Donc, le thème, vous avez cette disposition. Et bien sûr, vous pouvez modifier l'interface. Vous cliquez Configuration du thème. Déjà, vous pouvez changer la couleur. Vous verrez ces icônes en bas. On va mettre rouge, par exemple. Et vous pouvez mettre. Alors, pas celui-là sur le mur en dernier. Vertical à gauche, si vous voulez. Voilà, le thème est à gauche. Pour les couleurs, en fait, comme vous le voyez, c'est à droite. Quand vous cliquez le nom des ROM, c'est en rouge et en bas, les petites icônes sont en rouge. Si on met en orange, par exemple, vous avez les paramètres de l'interface, configuration du thème, jeu de couleurs. Voilà, hop, on met orange. Et voilà, c'est ce que vous préférez, vous. C'est un petit truc, un petit bonus. Vous avez 4 couleurs au choix. Vous avez aussi dans les paramètres de l'interface, alors, configuration du thème, l'opacité des systèmes, moi j'ai mis à 100%, la preview système, ce que je vous disais, vous avez pour l'instant des vidéos au hasard, et plus tard, mais ils travaillent dessus, des publicités TV, voilà, ils sont en train de remasteriser et tout, c'est un gros boulot. Mais des systèmes, vous pouvez aussi faire l'horizontal en bas. On sort du truc. C'est pas mal aussi, j'aime bien. Tout ça, j'adore le Tommy's Wave. Hein. Franchement, ça rend bien. En plus, c'est mon jeu préféré. Dolphin Blue, Blue Dolphin, je me trompe toujours sur le nom. J'ai pas fait attention à la Famicom, mais oui, Famicom Disk System. La GameCube Violette, la plus courante. Et vous avez un quatrième mode d'affichage, si vous voulez. C'est horizontal avec vidéo, vous allez voir, c'est original. C'est pas mon préféré, mais... C'est voilà. Vous avez les noms des consoles en bas, et vous avez plus fond d'écran fixe, mais par contre vous avez les vidéos qui se lancent. Ça peut être sympa si vous le mettez en démo. Quoique après vous avez le screen mode, enfin pas le screen mode, l'économiseur d'écran qui se lance avec des vidéos. Et vous voyez, ça va vous lancer une vidéo aléatoire. Là un jeu Amstrad de GX4000, alors je connais pas du tout ce jeu. La télévision, la Jaguar, ça c'est Zool. On a les Lemmings, si on revient derrière, vous voyez c'est un autre jeu. Atari. On a le jeu, et si on revient sur Jaguar, encore notre jeu, donc à chaque fois vous aurez des vidéos différentes. C'est vraiment aléatoire. Mime, c'est le jeu d'arcade. Master System, poids, jeu de foot. Voilà, mais on a un jeu de golf. On a Balou. Donc moi j'ai désactivé, mais vous pouvez activer le son des vidéos si vous voulez. Voilà, vous pouvez couper le son d'interface et activer le son des vidéos. C'est une option qui est possible sur Batocera. Là, on a au jeu de course. Donc vous avez déjà quand même, on va dire, trois modes de thème différents. Les vidéos, l'horizontal en bas, vertical à droite ou à gauche. Il n'y a pas de wheel, ce qu'on appelle la wheel, la roue. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça après, c'est les options, des jaquettes, vous avez vraiment beaucoup de choix dedans. Des thumbnails, les images. Design du thème, il y a lumineux et sombre. Moi j'aime bien lumineux, c'est plus clair je trouve. L'opacité des jeux aussi, vous pouvez modifier. Donc là voilà, moi c'est l'interface que je préfère, c'est comme ça. Là, les noms en bas, la couleur, orange ça va bien je trouve. Donc vous avez le X, hein, je vous rappelle que c'est sur la 525. Ce thème est pour le bateau sur la 525, c'est pour jouer en réseau. J'ai pas encore essayé. Et le F1, c'est parce que forcément sur la version PC, on peut appuyer sur le F1 du clavier. Donc là je vous ai pas montré, mais voilà c'est assez simple. On a le jeu en dessus de la manette qui nous dit que c'est pour un joueur. Le screen vidéo, vous voyez en haut le bezel, enfin le la marquise, la marquise, je sais plus comment on dit, le petit truc en haut. En plus à gauche on a la jaquette du jeu, dessous la description française, les étoiles, la date de sortie.
Si vous appuyez sur R2, vous changez de système. Et si vous appuyez sur R1, vous appelez juste de 10 en 10. Donc là, on est sur la PlayStation. Bon, Sega Saturn, il faut que je joue au scrap. Super Nintendo, je sais pas où ils sont passés mes jeux. Bon, je vais remettre. Ah bah tiens, oui, c'est vrai, je vais pas montrer. Ouais, donc. Thompson, voilà. MO5, TO7. Ça, on ira voir un jeu après. Là, par exemple, on a les jeux à deux joueurs. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les consoles avec les jeux à deux joueurs. Et je trouve que ça fait propre. Voilà, une belle interface, assez classe. Ça change un petit peu. Alors, la wheel est sympa, mais c'est vrai que tout le monde a voulu recopier Hyper Spine. Donc, on a la wheel sur Attract Mode, sur Quenops. On a pas mal de thèmes, comme les thèmes de Minica, que si je vous montrerai son thème avec la wheel. D'ailleurs, ce fond est vraiment sympa, la Street Fighter. Sauf qu'il y a marqué Coca-Cola sur le panneau, il faut marquer Pepsi. Mais je pense comme ça aussi c'est bien, vous avez les images. Puis comme je vous l'ai dit, Dark Nord met souvent à jour le thème pour le MO5 par exemple. Voilà, l'image va changer dans pas longtemps. Il est en train de préparer une nouvelle, elle sera changée d'ici demain. Et là vous voyez, ça a choisi un des deux jeux qui sont que j'ai installé. Donc d'ailleurs pour le coup, écoutez, on va aller voir voilà, le jeu de Thompson MO5. Ça va rappeler des souvenirs pour finir la vidéo. Alors oui, avant de lancer le jeu, j'ai oublié de vous dire, je vous ai mis une musique unique de fond, mais en fait. Après, vous pouvez mettre des musiques pour chaque système. Seulement, il a laissé les musiques par défaut parce que ça prend moins de place pour le télécharger, le thème. Donc, on a Captain Blood et Eliminator. Bah, écoutez, on va lancer Eliminator. Alors, on a l'overlay TO8 d'ailleurs. Le récit, elle présente Eliminator. Donc, là, voilà, en fait, il faut zapper avec la touche. Et je pense qu'on va mettre N. Voilà. Un ou deux joueurs. Allez, je me joue à 1. Moi, j'ai connu ça juste en cours de mathématiques. Quand on avait un logiciel pour calculer les abscisses et les ordonnées. Avec des bateaux à détruire, mais j'ai jamais trop joué à ça. À l'époque, avoir un MO5, c'était. C'était hors de prix, je pense. Quoi. Enfin, ouais, les parents risquaient pas d'acheter ça. Hein. Enfin, les miennes, en tout cas. Alors forcément, il n'y a qu'une touche. Piou piou, piou piou piou. Ah, le son est d'époque. Hein. Allez, viens ici, toi. Est-ce que c'est repompé de Space Invader ou est-ce que Space Invader a repompé là-dessus? Parce que les bestioles, on dirait des Space Invader qui en a rajouté des ailes, quand même. Allez, on va aller faire de ça pour se faire détruire. Oula. Il y avait combien de couleurs sur la machine, je sais pas à l'époque. Et il faut qu'on tue celui-là et on finira le niveau, je pense. Ah, mais il y a marqué 3 bombes, donc je dois avoir une autre touche. Bah, je crois que j'ai fini le niveau. Ah, j'ai pas vu qu'on pouvait se déplacer aussi en haut. Ah non, il y a encore un truc qui arrive. Il y a encore des vagues d'ennemis. J'ai pas touché un seul. Écoutez. Mais voilà, sachez-le, si vous avez la version PC, je crois que ça tourne pas sur Raspberry Pi. Vous avez MO5, TO8, TO7. Vous pouvez les mettre dedans. Donc je vous mettrai quand même les liens vers le GitTube de Dark Nord. Mais voilà, je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, vous pouvez télécharger les thèmes tout simplement. Vous vous reliez au réseau, vous appuyez sur Start, vous allez dans Mise à jour et téléchargement, thème. Et vous avez tout plein de thèmes, quoi. Alors les GPI, ne prenez pas, c'est pour le GPI 15. Et voilà, vous avez le RVGM. D'ailleurs, vous avez l'adresse là. github.com/darknor/rvgm-bt-thème. Vous voyez, c'est vraiment pratique, vous n'avez plus besoin de vous compliquer la vie et essayer d'installer un thème. Quand c'est mis à jour, vous cliquez ici. Le téléchargement se fait. Et si Dark Nord a mis à jour le thème, ce qu'il fait régulièrement, je vous l'ai dit, ben vous aurez une nouvelle version du thème. Là, vous voyez, ça télécharge. Je crois pas qu'il y ait un Bezel Project pour le Thompson. Non, il n'y en a pas pour le Thompson, mais c'est normal. Voilà, donc là, le thème est installé. Et normalement, ce que vous faites, cliquez ici, mettre à jour la liste des jeux. Et normalement, ça recharge le thème et tout. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du thème, puisque Dark Nord en fait est abonné à ma chaîne, il est souvent sur les lives.
Et voilà, franchement, je trouve que les thèmes sont sympas, ça change un petit peu. Puis vous avez le choix, vous avez vu, vous avez le menu en bas, ce que je préfère, à droite, à gauche. Ou tout simplement des snaps vidéo, mais là, regardez, vous attendez quelques secondes. Et voilà, vous avez la vidéo de la tour qui est sur le côté. Après, vous avez un petit résumé sur la console qui est en français. Donc, franchement, pour l'instant, ouais, c'est un de mes thèmes préférés. Tiens, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait un Atari 800. Spécial quand même. Et voilà, mon écran préféré, je pense. Mon screenshot préféré. Donc, allez, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Téléchargez le thème soit via le GitHub, soit directement via la machine. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde! Bidi 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 bidi.